Maurice. Le 6 août 2020, dans Pointe-Destiny, située dans Port-Sidès, Lille, une catastrophe écologique fin arrivée. Pendant 12 jours qui fin précède sa tragédie-là, beaucoup une tiersonne dans l'homme. Zot fin interpelle mal l'autorité et qui prévenir qu'il y a un danger pour la mère Maurice, sinon on n'y est pas faire. Jusqu'à la veille drame-là, le 5 août 2020, ministre de l'Environnement, Kavi Ramano, dans le Parlement, il n'y a qu'un problème. Et effectivement, non, il n'y a pas fin faire. Et ce qui beaucoup fin redouter, il ne finit pas arriver. Si ça, l'événement tragique là, il amène beaucoup de détresse. Mobilisation qui finit entraîner, il suscite beaucoup l'espoir. Sa film là, vin retrace période qui suivent SOAS Wakasho. Quand de l'huile commence à faner. Mais surtout, sa mobilisation sans pareil qui finit là dans Maurice là. Sa film là, justement, envie de guetter l'espoir de la marée noire Wakasho. Un espoir qui naît quand plusieurs centaines de milliers de monde ils mettent la main ensemble pour construire une bouée artisanale pour sauver la Gon Maurice. Un espoir qui ancré dans raison des haines politiques qui dépassaient, face à une catastrophe qui menace la vie et la vie du monde. Un espoir qui ancré dans une vision collaborative et participative de l'ensemble citoyen et pays pour l'intérêt commun. Un espoir qui montre nous qui en face de un défi et qu'en zémazère qui menace nos sociétés et que le monde aujourd'hui, si nous vivons ensemble avec une vision qui mettent la vie vivant, nous pour capables s'y monter. Wakasho sortit la Chine le 4 juillet 2020. Il fait un escale à Singapour avant une échouée Pointe-Destiny, Maurice, le 25 juillet 2020. Il tient en route pour Brésil. C'est un des plus grands bateaux dans le monde. Il sortit marchandises en vrac. Il pèse à peu près 203 000 tonnes. 300 mètres longueur et tient à peu près 4000 tonnes d'huile quand il finit suer. Li un bateau appartenait à la compagnie japonaise Okio Maritime et li opéré par une autre compagnie japonaise Mitsui Oeska. Li enregistré dans Panama. Li reste bloqué pendant 12 jours sans que le gouvernement et ban l'autorité mauricienne fassent ce qu'ils disaient. Le 6 août 2020, Wakasho sur la coquine fissurée et qui commence à déverser de l'huile dans une bande plus jolie lago Maurice. 1000 tonnes de l'huile in déversée. Le 25 juillet, Wakasho crase l'eau brisant l'huile Pointe-Destiny. 12 août, l'inresse l'eau à brisant là. Et l'État sur une institution, sur un oligarque économique, tout faire. Nous pensons qu'au début, quand le MV Wakasho il arrive nos récifs, qui fait nous pas une stabiliser, c'est-à-dire qui fait nous pas une mettre une remorque qui nous est là, pour comment dire, faire du respect particulière au récif, et ils ont dit nous face à un problème qui est un tas stress la structure du bateau. Bateau là, il peut écraser ban corail, donc bateau là, il est long de 300 mètres, sur les airs 50 mètres, et au fait, il peut bouger le récif, il peut avancer vers l'est, donc il peut écraser sa ban corail là, et donc ça nous a bien trouvé qui la mer est la mer laiteuse. Donc pour nous, il y avait une urgence de mettre des bouées devant le bateau très rapidement pour limiter une possibilité de oil spill. Mon budget il commence depuis le 25 juillet quand nous t'en dit à soir ça bateau là une tasse au brisant. Chicote moi un camarade fait moi diamant panique déboulé. Nous, premières affaires, c'est la vie du monde.
un bâton tassé, mais ce qui n'a du monde dans le nous n'a pas fait quelque chose. Nous allons, nous trouvons, tu n'as même plaisant, tu n'as plaisant, tu travailles le boulot, tout là. Mais pour la suite, petit chasseur d'alhomme, beaucoup de monde, chasseur d'alhomme, un activiste qui comprend la mer, qui comprend ça, bateau là, poser une mari dans le pour nous l'agon. Chasseur d'alhomme, malheureusement, le gouvernement pas n'écoute nous. Et il arrive, ça, l'écocide qui est arrivé, Wakacho Fan, le 6 août. Pendant 12 jours, qu'il était soit une CD à manifester l'intérêt, soit totalement incompétent, il commet une négligence criminelle. Les 6 tantôt, Dieu commence à sortir, le bateau commence à craquer. Avant ça, tu dis une photo qui t'est publiée, c'était une fake news. Imagine que tu as pris des gens, poursuivre des gens, mettre dans la prison. La cause de publier une vraie photo. Et le gouvernement tient à communiquer pour dire fake news. Qui paye un problème. Alors, bah, tu commences à faner. Je veux commencer à faner. Mais ça, je vous dis, faner, je me rappelle bien. Je suis venu me dire Maïbo, en plein centre. Tant de trois, je me peux causer. Comme tout Maïbo, j'ai un costume, je me demandais qu'il arrivait tant de ça. Comment il coupe-moi les pieds? Mon zénu le colteur, pareil, les michés, je ne sais pas si je suis je ne pas encore trouvé, je me suis ça. Après, je me suis trouvé plus tard, tout ça, marine, je suis descendu dans la rue jusqu'en bas, ici, le water fondé, moi là. Je suis couvert net, mais. Je ne suis pas prendre. En même temps, qu'il y a une colère qui submerge, en même temps, qu'il y a une grande tristesse, parce qu'il nous connaît nos affaires. C'est comme si nous sommes ma famille, là. Parce que moi, je me relâche avec la mère des petits-petits, mes enfants la mer, mes enfants la côte. C'est ça que m'a dit, nous source de loisirs, nous source de nourriture. C'est ça qui donne nous beauté, nous tout dans la côte sud-est ici. Mais c'est terrible. Et là, partie dans laquelle moi je suis fièrement content de cette partie-là, c'est-à-dire l'existence est alternative. Pas une camarade, comme un David Sauvage. Une commence à discuter avec Koukan. Léla, je dis non. Nous disons assis, parce que nous l'océan, ça. C'est une question que nous avons à faire pour sauver, nous faire assez là, pour, parce que le gouvernement, tout le monde, l'institution fait. Mais là, en tant qu'un activiste aussi, moi, un activiste résistance, de mes camarades, même jour, j'ai besoin de faire des affaires, pas connaît. J'ai fait des affaires, mettre la tête ensemble, décider d'arriver avec une idée, mais nous essayons une bouée là par canne, une bouée sur long. C'est correct, nous descendons, nous essayons. Arrive qui arrive, nous essayons. Nous ne pouvons pas croiser, nous ne pouvons pas passer rien. Nous appelons une réunion de sens. À ce moment, nous connaissons les ennemis d'ici à quoi. Et le Comité national de résistance, nous avons une plateforme d'ici. Checker si nous avons fait nous sommes capables, efficients, qui viennent sans l'eau, pas dans la toile. Parce que je ne suis pas un expert. C'est un mot qui tue dans la mode, ça. Mais qui fait la balkane, qui fait Zégui, coup de matelas, au moment où ça, Zégui, coup de matelas, qui fait divin million, on discute collectivement avec tout ça là. Une fois qu'il nous trouvait, nous mettait des gars, c'est tout au moins, nous avons signé. Et là, la question, il n'arrive pas, on sait pas là, mais quand pas le bien, ça va nous sortir là, et on commence, on va dire, voyez, faire un camarade, voyez, il y a un carré qui va nous dire plus proche avec nous. Alors, nous faisons un team qui nous dit un team, prend un équipement, elle se passe. Alors, on a une base qui va faire ça pour faire un bouée, un boom, après, on appelle des artisans de boom, bouée artisanale, pour faire des sédiments. Et le team, il a. On se la baïkane. Il y a une botte, il y a une belle sapeau, bien équipée pour avancer la baïkane. Nous descendons, les 6 à soir, tape tout la porte qui est non, pour tout matériel qui est bizarre. Nous mettons le premier salon boué, 10 bouts. En fait, nous faisons des bouées, Hazoula, avec les bancs camarades, 2-3 camarades de Maïbo qui chipaient, et dans les parases, nous venons de nous, nous mettons bouées là, nous trouvons les parcs à Martinine Bossé. À travers les réseaux sociaux, nous faisons un appel de solidarité.
Au fait, nous pouvons faire un système pour contenir, pousser contenir de l'huile en attendant qu'ils bannent les autres, l'équipe, comment dire, qu'à tirer ça de l'huile là. Donc, c'est comment dire, ban boudin, fait avec ça long, et une autre équipe peut ramasser la paille canne, qui apparemment il y a aussi une propriété qui a absorbé. Là, en fait, comment je peux trouver, nous, après qu'il nous finit, coupe man ça long, t'allais là, nous commençons coup de lit pour qu'il nous capable remplir avec nous man la paille canne, t'allais. C'est ça, en fait, qui nous peut faire pour qu'il nous capable empêche ça de lui la propage encore plus. Et dans toute une équipe qui peut mobiliser toute une nuit, alors c'est un travail nocturne qu'il peut faire et nous espérons nous réussir à trouver une solution parce qu'il protège nous l'avons, mais surtout tout l'écosystème. Un camarade qui fait avec nous, ce qui a pas besoin de nous, tout coup de main bienvenue. Oui, tout coup de main, tout de la main bienvenue. Ouais. Au fait, dès que nous mettons en mouvement, nous communiquons l'eau là. Hein? Donc ça pour rejoindre Dynamic Open Source, Dynamic Open Hardware, qui nous appelle logiciel libre, qui est un concept philosophiquement très politique, parce qu'il permet rapport entre un produit et un dimoun, il donne, il offre une liberté qui est essentielle, et nous le faisons dès le début. Donc nous communiquons l'eau sur les réseaux sociaux, à la ça qui nous peut penser faire, à la ça qui nous peut essayer faire. Nous avons un bout de sol long 25 mètres, hauteur des mètres, couplé en D. Nous pouvons donner ce détail là, parce que la logique là, c'est mise en mouvement de masse et qui chacun capable connaît qui nous peut faire, chacun capable améliorer à sa façon. Et donc finalement, l'innovation, la créativité, mais l'hypothèse. Vendredi 7 août 2020, après qui premier boué une fini faire, c'est trois dimoun, Cédric Halle, Tchegoulami et Giovanni Bavadji qui premier rentre dans de l'eau, en face l'île Moussoir Rouge. Pour place premier boué artisanal, suivant conseil Ludovic Lucette et Christophe Beloc. Tout cela fait être divisé en live dans l'objectif, invite Ban Mauricien pour venir mettre la main ensemble pour sauver notre lagon. C'était Ludovic Lucette qui me dit que matin, nous avons fait tout le front. Il y a une équipe qui monte dans le boudin là-bas. Et je prends mon transport, je amène Ludovic avec moi. Nous allons aller, nous commençons, nous avons une équipe, nous avons David Sauvage avec cette équipe là-bas. Et nous avons un conseil comment faire pour placer le boudin et tout. Et nous, après ça, nous allons aller. C'était moi le premier du monde qui me dit tout de l'huile. De là, je fais mon live au Facebook à travers ça, ce temps tout. Et David Sauvage, il prend contact avec moi pour montrer banacote pour mettre le premier boué. Pour commencement, nous prend beaucoup de temps pour faire premier sa première solo là. Mais au bout de la soirée, qui veut dire vers 6h du matin, nous récit fini. C'était un moment de solidarité. Surtout dans Maïbou, genre tout le monde s'y aide. Nous-mêmes, les premières personnes qui viennent des autres, bon, parce que nous avons une fête, d'après la pause. C'est 5h, 6h du matin, il faisait froid. Le fait que je fasse la plongée, je fais un frais, je t'envie quelque chose de chaud pour boire. Je fais donner de l'eau pour se la boire. Là, non, madame a même fait un café, une deux autres biscuits. C'est qui nous tient dans sous la main. Ça a commencé là, à partir de là, ça a une propagée dans Maïbourg, une belle finie dans Maïbourg. Et la bande du monde venir là pour aider. Pour faire des travaux, donc tout le monde volontariat il développé partout. C'était grand matin, nous lever. Mon papa fait boire un café, il dit à nous, il trouve un déroulement sur Internet et il trouve résistance et il commence à faire la bouée. Et ben là, tu peux boire un café, grand matin. À ce moment-là, moi, monsieur, Virginie, mon papa, nous prenons le tout, nous préparons un café, nous descendons.
Et c'est là qu'il nous joigne donc un petit groupe qui est déjà actif, peut commencer à faire ben la bouée. Et à ce moment-là, qu'il nous rejoigne nous à Zot. C'est un groupe de ben militants politiques qui a le souci de l'intérêt public, qui met Zot en mouvement et d'une manière qui intégrait ben Dimoun l'endroit. Donc ça, ça open factory là, sa zone d'occupation, de mobilisation. L'infer le waterfront qui est un lieu public est déjà dynamique, premier dynamique qui fait c'est étant donné qu'il nous dans un espace public à ciel ouvert, pena mirail, c'est-à-dire qui ça qui nous peut ça qui nous peut faire, il pas cachette et il dans la ville et à proximité de la zone côte finena des as de l'huile Wakasho. Et l'in crée l'in permet une dynamique qui nous pas qui nous pas trouvé dans un système classique en termes solidarité, en termes le fait qui ban habitants in ka participe là-dedans, que ce soit dans un processus de décision, mais que ce soit dans mettre autres amène une tasse d'ité au début participe dans l'organisation de ce qui peut dérouler. Et à me lever grand matin, m'habitique mon habitier, ben gens de la mer, nous les bonheurs. Nous avons fait une tour au fond, mon trousse, puis commence. Et là, un groupement d'immuns, me pose-moi la question, comment, qui peut arriver? Me l'a demandé. Venez la qualité humaine, il ouvert. Me l'a demandé. Et là, je peux expliquer moi, je peux en vie. Bon, ça, au spiel qui peut descendre là, parce que je n'explique moi qui la coquine est éclatée et il y en a beaucoup encore qui peut venir. Et là, à ce moment-là, mon tour se fait faire un boué charlon. On a trouvé que c'est une bonne idée. Et c'est à ce moment-là que je me propose, moi, volontaire, hein, pour venir dans le petit groupe qu'ils viennent faire. Et alors, ban camarade résistant, c'est alternative avec ban Maïboun, place, premier boué. Boué, boué, bossé. David Sauvage, solennellement, explique voilà qu'il veut nous faire. Boué Bossé, et nous appelons Madame Tamaïbou, nous appelons le peuple borussien de venir ensemble nous faire, ça nous plaît au moins, ça veut dire faire une bouée pour contenir Marine Noire qui peut pas passer et pour amener une contribution parce qu'il nous est en faillir. Et voilà qui déroulait à partir du 7 août. La nuit du 6 au 7 août. C'est un moment important dans l'histoire Maurice Delivin. Bonjour, tout bon camarade qui peut suivre nous. Donc là, nous, Maïbou, nous, le waterfront, en face Moussoir Rouge, qui trouve donc une bonnet, un petit peu plus bonnet, nous installe un. Nos premiers bois, prototypes bois qui nous fabriquaient dans la nuit. Et au fait, les temps nous y peut aller, ban camarades qui peut travailler pour pomper de l'huile. Ben là, tu dis à nous qui peut manque une 50 mètres bois entre Waterfront et Moussoir Rouge. Déjà, nous peut faire un premier constat de jour, parce qu'avant, l'été la nuit, qui a fait là, peut fonctionner. Ça qui nous peut proposer, c'est qu'il nous mettons à fabriquer quantité de bois qui est capable pour qu'il y ait servi pour protéger la côte. Si bien qu'il y a une autorité ou un monde concerné, servi sa ban la bouée là, côte bateau aussi, pas de problème, anywhere. Nous servons selon moins cher qui est là. Nous achetons 25 mètres selon. Un noté à 2 mètres et nous couplions en D. Ça veut dire qu'il nous a des bandes sur long 25 mètres par 1 mètre. Et là, nous prenons la paille-canne et nous fous la paille-canne dans sur long et après nous retournons et nous coudons avec des aiguilles goni et des fils nylon. Et nous avons une bouteille aussi dans la bouée là. Donc, nous faire un appel à tout bon du monde qui est dans Maurice, aujourd'hui, venir descendre. Donc, nous le waterfront,
nous besoin la paille-canne, nous besoin ça long, nous besoin du fil nylon pour qu'à coude. Ban du monde qui a un peu bouteille, bien là et là. C'est comme une suivre live résistance à soi. Le matin, c'est une fille qui sort l'une in marché, donc pas besoin volontaire. Donc le lendemain matin, je suis venu, je suis amené une petite salon, une aiguille. Là, je suis là depuis le premier jour qui me demande volontaire. 6 heures du matin, une madame peut passer là sur la bicyclette, elle est arrêtée, elle est à travail. Elle est à côté nous, en 10 minutes. Elle est à côté nous, qui nous veut faire, elle prend un petit renseignement, ça l'intéresse. Li. Et après, elle trouve la façon que je vais faire, c'est capable d'améliorer. L'in a connu ça 10 minutes, là, il montre comment faire les affaires là. Le travail qui nous dit prend 3 heures de temps pour faire, il nous fait dans 10 minutes. Un extra encouragement, le savoir-faire de bande villageois et vous avez l'envie pour aider sur vous êtes l'endroit. Et comment ça, madame là pas encore aller, une deuxième madame est venue. Là, ça fait un commence à grandir. C'est une des affaires qui manque encore à vie. Elle crie, elle les pépines répondent. Et quand elle répond avec des larmes, des larmes. Des tout beaux, des personnes qui sont venues. Ceux qui ne sont pas capables de venir depuis comme ils sont loin, ils ont fait cette présence sentie. Et ça, c'est un moment qui me manque moi jamais. À partir du 7 août 2020, l'aventure humaine incroyable a commencé. Nombre du monde qui répondent présent à l'appel résistance et alternative pour participer dans ce qui appelle désormais l'opération Boué Sorlon lié énorme. Dès que nous connaissons qu'il y a une équipe qui vient et qui peut faire un prototype de Boué Sorlon, et après, je fais l'appel pour l'opération Boué, donc mon actif à ce moment-là, mais les premiers jours, je n'ai pas à dire. Je rentre là-bas vers 10 heures, mais au fait, le temps je rentre là-bas, je suis tout ça quand je peux commencer mon boudin. Je suis assise en zone. Je fais un boudin jusqu'à 9 heures à soir. Au fait, je me trouve à travers un email. Alors, le fait que je suis un centre de plongée, voilà, l'association des plongeurs, Maurice, il a envoyé un email, tu vas un centre de plongée. Ben, du coup, je suis venu. Je me suis ramené là, je viens de la Waterfront vendredi, peut-être vers 10h, 11h. Ouais, 10h, je retourne à la Waterfront. Tu dis, je suis un petit peu à gauche droite, la Waterfront. Et je vais essayer de trouver une façon pour mettre un petit lot. Et je sais, la façon de mettre un petit lot, moi, c'est canaliser tout la situation. Et moi, je pense que la seule manière qui canalise la situation, c'est qu'Andy Moon passe un message. Guide ban les autres du monde, qui pour faire, qui pas pour faire, ben, au commencement c'était un porte-voix. Comme tu l'as vu, ma femme Darina, tu le waterfront, lui, dit qu'il dit moi, il vient le waterfront parce qu'il a une ambiance extraordinaire, vini. Mon père écoute lui, moi, dit, ouais, ben, c'est bon, nous pouvons remédier comme au travail fini. Et après la journée que j'ai fini le travail, moi, j'ai fait tout le waterfront. Et depuis ça, on n'a quitté le waterfront du tout encore. Ouais, comme on trouve ça, l'équipe travaille là, organisation, nombre de personnes, qualité du monde qui est là-bas, c'est extraordinaire. Oui, bon, mais bon, tu sais, pas vraiment ça drame qui est arrivé là. Au contraire, comment dire, du tout, nous mettons la main ensemble, et nous connaissons beaucoup de camarades, et comment dire, du tout, nous mettons la main ensemble, comment dire, pour nous être capables d'aller de l'avant des affaires là. Il est à mon tour sa solidarité. Tout ça, quantité du monde qui nous amène sur le waterfront, qui nous vient, nous donne un coup de coude sans nom, même nous pas qu'un coup de. Nous donne venir, nous donne apprendre, nous donne pour communiquer entre femmes. Donc, moi, nous sommes une grande famille. Et moi, là-bas, parce qu'il concerne moi, la mer, pour moi, la mer, c'est la vie, donc il concerne moi, la vie, moi, la gonde, il est devant moi, je ne suis pas capable de rester les bras croisés. Moi, dans le waterfront, c'est parce qu'il est la gonde. Je suis pas. C'est ici qui me travaille, ici qui me grandit. Il me dévore, comme beaucoup Mauriciens, pour venir donner un coup de main, pour nettoyer, sauf la Gomaïbo. C'est nous la vie, c'est autour de nous. C'est, voilà, c'est nous gagner un pain. Ils vivent un moment humain intense, le waterfront Maïbo. Malheureusement, nous, les dirigeants, pas nous, mais le peuple mauricien, nous,
en soutenir nous et un moment humain extraordinaire nous vivre. On croit tous ceux qui sont là-bas, ils vivent même l'expérience. Ça valait nature, protège la nature là. Tout ça, Mauricien là, il est dans lit, dans lit. Mais parfois, c'est moi qui le trouve lit partout. Mais à travers sa catastrophe là, elle nous trouvait qui tout le monde est solidaire et qui les tiennent à faire. Et Marie, il faut. L'objectif, l'hypothèse, l'efficacité technique de la boue là, mais il dit aussi qui dans respect humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pas comme nous autres, qui travaillent pour confection de la boue, mais nous façons mettre ça l'activité là en place, c'est qu'on prenons ton camarade, qu'on ça l'ipé vini, qui l'in vive et développe sa relation humaine là. Et les là, ça qu'elle peut partager sur l'expérience, et donc elle qui te fait une vine coude, une vine présent le waterfront depuis avant, mettre lié avec Andy Moon qui ne fait que vini. À travers ça, il y a beaucoup d'amitié qui crée et on rencontre beaucoup de Moon. C'est ça qui me trouve génial dans sa solidarité qui nous a mené, nous gars pour communiquer, converser, connaître tout le monde, qui nous peut envie faire, on va dire tout le monde. Ça est extra touchant. Du coup, quand ça m'a dit mon nain, c'est aussi depuis quatre coins. Lilin vient dans ma boue, peut faire coude, peut mettre bouteille, peut tout à faire. Mais extra impressionnant. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je me sens fier que Mauricien il décide pour agir. Et nous bien continuer dans cet élan. Nous tiens un briefing les matins, les après-midi. Quand c'est ben des gens qui peuvent engager, qui nous peut décider ensemble, qui manière nous peut évoluer. Et ça, une très bonne dynamique qui est très fort et qui forcément pour en lien aussi avec sa mauricianisme, sa valeur mauricianisme profond qui nous vive. Quand il y a un problème dans nos pays, comment nous, en tant que Mauriciens, comment nous solidaires ensemble pour essayer de résoudre un problème? Ben, je ne trouve pas ça souvent, mais une grande solidarité entre nous, Mauriciens, d'être comment capable de faire pour aider. Sortir dans mon boudin, donner du monde manger, donner du monde boire, une zone, essayer d'encourager nos collègues, nos camarades, nos du monde avec nous. L'espoir, comme on dit tout ça, les Mauriciens là, je veux dire que ça veut dire que les Mauriciens nous en cause solidaire et qui nous capables contre nous, tous les Mauriciens. De même, espérer qu'ils dans une situation que nous avons besoin de construire une quitteuse aussi, une nouvelle île Maurice, qui tous les Mauriciens plus solidaires, nous tous ensemble. C'est une belle leçon d'humanité. Pirates, yes, they rabbit. So night to the merchant ship. Phoenix is out today. From the bottomless pit. La zone le Maïbou Waterfront, qui rythme par une réunion coordination d'un grand matin, pour guider un impératif la zone. Par l'exécution de différents la tasse que l'équipe coordination est établie. En début de la soirée, tout le monde qui est actif, tu peux rejoindre pour socialiser. Quand la musique éclore, il joue un rôle important. Ça fait contribuer dans créer une lacorité et camaraderie en tout le monde et l'équipe qui tu peux dédier le temps pour sauver la gond et la côte sidesse. Ce qui est bien, c'est que quand tout le monde est toujours dans d'un drame, d'une catastrophe, tu trouves ça, l'amour, sa solidarité là, les ressortit. Et ouais, les Timar est présent pendant une semaine là. Et pour ça, moi, je suis vraiment fière que, voilà, moi, une Mauricien, dans un moment comme ça, parce que tu ne trouves pas les portes dans le monde. Un Mauricianiste qui me sentit beaucoup. Et ouais, un élan de solidarité qui, à travers Maurice entier, qui nous descend pour venir donner un coup de main, ban ma bourgeois pour venir sauver nous l'agon. Donc, pour moi, je suis fière. Un l'île Maurice comme ça, mais
Moi aussi, ajouter un petit bout qu'il ne faut pas nous arriver à une catastrophe, comment dire, aussi, mon cas dire criminel ou dangereux pour, pour nous capables de descendre et venir faire des affaires. Donc, c'est un petit peu de confiance dans le peuple mauricien. Le Maïbo, aujourd'hui matin, nous pouvons continuer à faire bouer parce qu'il nous pas trop connaît, qui peut arriver par la suite et il y a toujours une place qui peut continuer à garder l'huile, etc. Donc là, nous pouvons trouver qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été etc. Il est bien intéressant pour trouver sa moche de solidarité là depuis vendredi jusqu'à Astella. Qu'il y ait des citoyens, étudiants, collègues de travail ou soit des familles qui répondent présents, plusieurs milliers de gens ont été amenés à ce coup de main. L'appareil productif, beaucoup d'entreprises aussi, s'y orientaient dans limite des gamarés noirs ou Wakasho. Sa mobilisation-là vient continuer sans affaiblir pendant pas moins que deux semaines. Je pensais qu'il y a une grande entreprise qui prend des années pour construire eux et que nous prenons juste une journée pour qu'ils nous organisent un travail qui m'arrive difficile. Voilà, il commence comme ça. Voilà. Et puis, tu réponds pas. Parce que comme ça, là, il est serré, il va bouler ici aussi. D'accord. C'est un peu là. Et laisse-moi la finir broder, finir pour lui. Là, nous mettons le sac, elle met ici. Attendez, ici, autour. Je vais faire autour. Sa dynamique open source, là, une fois qu'il nous veut aller, l'in met aussi ben, les autres dimons dans Maurice en mouvement. Comme à Manzénès, il y a là qui dit ben nous, qu'il faut nous inventer un schéma qui low cost. Je suis un petit peu dans la case, mais je suis aussi, c'est une époque qui est envie de parler. Ils peuvent même à l'antenne télévision, je connais un article qui mettait carré là qui est plus long, là-haut. Je vais passer ça aussi. Extrêmement dangereux pour Benjiboun qui peut rappeler après. Extrêmement dangereux pour Benjiboun qui peut. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'Oban Airboom. Après sa phase la bouée artisanale avec la paille sur long, nous faisons un atelier l'eau ban airboom donc avec CV. Et donc en l'atelier là qu'il faut aller dire les temps que nous fabriquons sur l'équipement et nous tester sa ban airboom là. Et déjà nous gagnons ban feedback, c'est qui tient ban rasoir dans ban CV. Qui sont depuis le salon de coiffure et qui est très dangereux. Et donc, ça montrait que nous avons détecté le problème très rapidement et nous communiquons là d'une manière publique que tout le monde qui peut réfléchir là, je gagne l'information. En effet, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important dans la mobilisation. C'est à travers ça avec TLA qu'il a pris pour les Mauriciens incapables de suivre en direct ce qui peut arriver en termes de mobilisation pour sauver la go, mais aussi pour connaître comment concrètement vous êtes capable de donner un coup de main. Une vraie usine ouverte et participative. Alors, bonjour, vous avez assez liaison, extrêmement liaison, nous vous avez sans l'eau, des mètres de terre, ou bien un mètre de terre. Donc, bonne volonté à qui peut descendre à partir de cette terre-là, ce qui ne m'a pas demandé en route, c'est capable d'acheter des aiguilles, coup de goni. Voilà l'aiguille, c'est capable. Amène des aiguilles ensemble avec eux. Nous avons également du fil nylon. Nous avons des bottes, nous avons des combinaisons Covid. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour Covid? Nous avons une volonté ici sur la place au Waterfront parce que nous avons des kilomètres sur long pour la place l'eau la meilleure. C'est qu'il y a envie de venir un coup de main et qu'il y a envie de venir une esplanade Maïbou. Oui. Il existe un même courage. D'accord. S'il vous plaît, Bandi Moun, tu peux donner une bouteille. Quelle manière c'est pas une bouteille écrasée, né? Mais c'est parce que vous êtes cassé en dedans. Bandi Moun qui paye nous avec le drone, je peux bouger un peu pour tout le monde la côte, je peux aller guetter côté d'un petit as peut-être pédessane ou pas et tout. Voilà, et là avec eux, c'est grâce à eux au fait qu'ils nous sont capables de cibler. Un bon spot que ce qui peut saper, nous peut réussir à le rattraper. Je fais la demande pour les combis blancs. Comme vous pouvez voir là sur Nono, on a bien besoin d'avoir ces combis blancs là, mais il n'est plus dans stock.
vous devez faire 100, vous devez en au moins encore 100 qui stand-by. Oh, vous devez faire 200. D'accord. 200 là. C'est là quelqu'un qui a envie de nous coup de main, qui a envie de descendre le Maïbou, et nous là, nous faire attention. Ce modèle participatif là, dans l'organisation, dans le processus de contrôle de la production, nous guettons par exemple une production qui n'est pas dans l'intérêt l'écologie, qui n'est pas dans l'intérêt la nature, comme un plastique à zénique. Si un employé gagne une capacité de décide dans l'appareil de production, qui te fasse un petit peu dire que ça, nous arrête de faire sa bouteille en plastique là et nous servis ici sopine. Donc, ce qui nous vive le waterfront, c'est que tout bon camarade, je tiens à cette capacité de décide de l'organisation production qui nous peut faire et ça amène un et ça il a comment dire sur l'impact l'intérêt public il est beaucoup plus fort parce qu'il pas tient à notion profit pas peut faire une affaire comment dire pour enrichir une bande d'immun autour sa production là il est vraiment focalisé l'intérêt public dans sa zone d'occupation de finalement désobéissance civile parce que sa bande zone là interdit d'accès côté na l'autorité qui au début sait empêche d'immun vin là nous type travail d'une manière c'est-à-dire que tout l'organisation la production la capacité de déployer ban laboué c'était ban dimoun qui présent ici qui nous décide ensemble on trouve ça déferlement parce que ça déferlement là il plus qu'une manifestation ça parce que dans ce même moment qui dimoun veut venir faire boué l'état il fait prendre ban notice et ce rayot et la police il fait col coulout le tout ban pied parmi ce tout ban pied qui est là que tu vois front, mais vous vois front là-bas, vous dire que ça est restreinte derrière. Ça veut dire, pas vine faire bouer. Le peuple mauricien, pas fin, écoute la coercion et l'intimidation. Ça la bouée artisanale là, l'une crène fissure et l'une bug système là. Donc ce matin, il y a une équipe volontaire qui est là pendant toute la nuit, il assurait que quand même tout bon équipement soit là en sécurité. Mais là, il y a un petit développement ce matin, dans le sens qu'il nous réveille il y a à peine 20 minutes. Il y a à peu près une vingtaine SSU et des jeeps de la police à peu près qui viennent au Maïbo Waterfront. Et quand on peut dire ben officier là, plus de détails, je peux dire qu'il a parti ce matin, volontariat, et puis qu'il y a un droit à faire, et qui opère strict accès à ban le tour, et même à ban piéton, à Maïbo Waterfront. Quand les peuples bravent, ça reste derrière là. Les peuples viennent par un coup de doigt, d'une fin, nous vous protégez, nous la mienne, nous-mêmes. Les peuples disent comme ça, tu ban, comment dire, de trahir nous là, ok? De trahir nous là, mais il y a cinq plus précis qui nous viennent là pour nous et nos bons enfants. Cinq petites choses les plus précises qui viennent là. Et, par exemple, que ce gouvernement trahit ça. Il est clair que le gouvernement Maurice est complètement dépassé par l'événement Wakacho et aussi façon qu'il bat le Mauricien, il décide pour prendre des affaires dans cette armée. Ça finalement beaucoup de tension dans Maurice, surtout à l'encontre des membres du gouvernement MSM. Si vous n'adoptez une posture pour nier votre responsabilité, ça pas fini en peste que les peuples maurice sont en colère et qu'ils tenaient votre coup à fautif. Ça fin cristallise avec un appel à mobilisation par Bruno Lorette, qui à l'époque dénonce beaucoup d'incohérences et irrégularités dans le mouvement Wakacho. Démolir tout, dis moi doit trouver la vérité là. Parce que on a tout dossier qui bizarre. J'ai besoin de prendre ce point à CPS, mon bidon. Tout ce qui est bizarre, mon bidon. Il fin même lancer une procédure pour une poursuite privée contre des ministres. Ministre de l'Environnement, Kavira Mano, et ministre de l'Océan et la Pêche, Soudi Amodou. Le 22 août 2020, ben différents mouvements et collectifs de résistance et alternatives font partie, prennent décision pour soutenir l'appel à mobilisation Bruno Lorette.
toujours lance l'appel à la population continue une jeune sa mouvance là, il est extrêmement important et surtout qui nous connaît qui les autorités une tardée pour agir et pour réagir, mais la population financière, la population populaire financière finit une mobilisation le Maïbou nous trouve c'est une solidarité et oui dans Maurice nous capable vivre vraiment nous fin vivre le mauricianisme et aujourd'hui nous continuer à mener de l'avant. 22 août c'est dans l'Assemblée solidaire. Les là, il y a un appel à manifestation, il vit de l'Assemblée solidaire, nous développons une collaboration, pour vous dire, c'est libérant une collaboration comme ça arrive. Ça veut dire, ce que nous discutons dans l'Assemblée, disons, puisqu'il y a 300-350, disons, on a eu une théâtre. Alors, finalement, un soutien, une collaboration pour soutenir la manifestation du 29. Et nous sommes d'accord, et nous avons une réunion qui nous fait, qui m'a fait pas encore, si vous avez dit, qui m'a. Qui a un slogan, est-ce qu'il le boue et le maïbou utilisé là-bas, est-ce qu'il sacre l'organisation que vous avez tout ça, le 29 août 2020, un Namari humaine sans précédent descend dans pour lui pour exprimer ce colère. Ça nous faut, nous capables d'activer un objectif ambitieux. Et ça, les comédiens, ils font respirer la jeunesse. Et ça, ils contaminent entier Maurice, pas juste au niveau de la jeunesse, mais ils contaminent, ça la fibre là, ils contaminent entier Maurice. Et c'est ça qui met mauricianisme en mouvement et qui après nous déroule l'eau, les 29, l'eau, ça la jeunesse qui en vient le plus loin. Une casse ce sommeil. Des jours après sa mobilisation monstre qui finit réunie au-delà 100 000 du monde dans pour lui, dans la soirée 31 août à 1er septembre 2020, Raymond Kier Saint-Gaëtan Duval, qui tient en route depuis Pointe-Destinée pour lui, coulait au Los Poudre d'eau. Trois marins, en l'occurrence Sylvain Addison, Sajid Kumar Siwu et Claval Linze Plassan, perdit la vie. Si c'est le cas, il ne réussit à retrouver. Capitaine Moswadek Binik, quant à lui, sur les cônes disparaît dans la mer. Jamais pas fin retrouver. Ça, l'événement triste là, ajoute à colère légitime à Mauricien, avec plusieurs zones d'ombre entourant Raymond Kiel à lui-même, avec motivation derrière sa navigation en pleine la nuit là. Bon, là, nous dans un moment, côte, citoyen PLV. Mouvement là, lit dans un moment très important parce qu'il nous besoin faire une transition et nous besoin politiser, nous besoin demande, nous besoin faire vivre une vraie et c'est pour ça qu'après un 29 côte patienna ban revendication politique pour l'avenir la jeunesse, pour droit à la nature, pour droit à logement, pour tout ban sujet central de sa pays là. Mais les 12, c'est là qui nous cristallise sa revendication politique. Hein, politique, c'est qui manière nous vivons ensemble, qui manière nous organise nous-mêmes face à dérèglement climatique, face à l'injustice sociale. Et donc, c'est vraiment un moment central dans tout ce processus mis en mouvement qui commençait depuis Covid et depuis tout le combat qui venait avant. Donc... Tout le citoyen de la République de Maurice, le 12 septembre dans Maïbou, conversation solidaire, ensemble avec Maïbouzois et dans le sud-est, pour inviter tout dans la grande manifestation solidaire qui est là. Et tout le monde qui compte la liberté, la vie, content solidarité, je viens venir pour qu'ils nous capables ensemble construire à l'île Maurice, construire sa république multicolore. Viens avec une couleur qui est content, viens avec une couleur qui a envie de nous démontrer ça jour là et que nous invite tous venir nous dans la mosse qui nous peut faire à partir d'une heure dans Maïbou. Il arrive bien pour nous bouger, il commence depuis bien longtemps, tu quittes le mouvement. Les 11, tiens, joli la masse.
Les 29, il était encore plus joli. Moi, j'étais extra fier. Moi, je trouve que Mauricien avait commencé à prendre conscience qu'il bisait bouser pour dresser une bonne affaire, qui est facile pour dresser. Pour nous résistants, même la ligne qui mène, nous avons fait une grande manifestation le 11 juillet. Aussi, il y a les 29. Et surtout, pour nous capables de venir, nous capables d'exprimer nous, whatever, qui lit nous coller avec ce qui est arrivé des As Wakasho. Mais moi, j'invite tous pour les 12 septembre, ici, mobiliser tout famille. Nous venons nous ici demain, et vous. Et moi, j'invite aussi tout le monde à venir ensemble pour nous solidaire avec tout ça, les bourgeois là, avec la Côte Sud-Est. Et ça, la marche Maïbou là, c'est pour montrer qui qualité Mauricien est solidaire entre nous et qui qualité nous solidaire entre nous. Que nous pas, quand nous avons un problème, personne n'a pas aucune couleur, pas aucune religion. Et nous tous venons ensemble, nous donnons un coup de main pour essayer et de nous tirer sur aussi des associations. Et en tant qu'une Mauricienne, moi, j'invite tout pour venir les 12 ensemble pour change les systèmes qui, en ce moment, moi, personnellement, ne pas d'accord. 12 nous en Maïbou. Nous en masse, en nombre, pour tout y commencer et nous réunir encore pareil. Mais je vous invite de venir à Maïbou parce qu'on aime nos lagons. On invite de tout venir rejoindre nous, marche avec nous, de 13h à 16h. Donc, venez comment je t'étais. Vienne supporte ensemble avec nous nos causes et vienne protège nos lagons ensemble avec nous. Et pas oublier ce rendez-vous-là, nous ne manquer une page de l'histoire. À nous marcher ensemble, nous tous nous descendons nos sacoltes en main et là, nous faisons nous la voix. Vienne marcher pour le droit de la nature, vienne marcher pour la transparence, vienne marcher pour le pays et pour nos bons enfants. Paraître l'histoire, vini samedi le 12.
nous vivons dans l'élément ça nouveau Maurice là. Maïbou Waterfront nous donne l'espoir à la jeunesse. La jeunesse est levée. Maïbou c'est la capitale de l'espoir. Maïbou il montre le monde entier qui manie nous permettre la main ensemble. Qui manie nous pour adresser la crise écologique. Merci Maïbou. Qui nous pour faire un système là. Bonjour Maurice, merci, merci surtout depuis le 6 août, je suis avec nous pour sauver nous Lagon. Merci David qui commence sa opération sur le long là. Gouvernement malheureusement puis embête nous plaisanciers, depuis le 28 India vous donne nous une allocation. Mais je vous dis si vous êtes dans les peuples mauriciens, nous ne pouvons pas manger dans nous la case. Le Tchikapao termine sa film là avec manifestation le 12 septembre 2020 dans Maïbou. Préparé comme pour lui, elle n'a foule pas moins que 100 000 djimouni déplacés pour réclamer l'avènement de nouveau Maurice. Mais ça, l'événement qui finit arriver un an après Wakacho, il démontre clairement que le gouvernement pas fin prend la mesure de sa mise en mouvement inédite dans Maurice là. Le 7 août 2021, un an après le drame Wakacho, différents activistes, incluant les membres résistance alternative qui ont mobilisé le Maïbou Waterfront, ils posent une plaque commémorative le Maïbou Waterfront. Ils ont fait ça avec toute l'autorisation de l'autorité. Mais lundi 17 janvier 2022, ministre collectivité locale Anouar Osnou donne l'ordre pour enlever sa plaque là. Une façon pour effacer depuis mémoire collective faute et responsabilité de l'État et ben différents ministres qui finalement à Marie Noire Wakacho. Une façon pour effacer depuis mémoire collective l'incapacité de l'État et gouvernement pour zéro écocide qui Marie Noire Wakacho fin entraîné et finalement l'amour plusieurs dauphins dans l'Est. Une façon pour effacer depuis mémoire collective l'amour et disparition quatre marins dans une situation catastrophique, ça drame là. Une façon pour effacer depuis mémoire collective la colère massive des bandes mauriciens qui finissent descendre dans la rue pour exprimer cette colère le 29 août 2020 et le 12 septembre 2020. Une façon pour effacer depuis mémoire collective naissance d'une nouvelle conscience de Maurice qui peut demander plus de participation citoyenne dans la vie publique. Plus de transparence dans les questions de la vie publique. Plus de redevabilité de l'État et de ses représentants, plus de solidarité et l'unité pour le peuple Maurice, plus de respect envers la nature et la vie. Mais en dépit de toute tentative d'effacement de la part des bandes élites, il y a une affaire qui est indéniable, que l'opération Bouessant-Long a démontré. Quand les peuples viennent ensemble pour prendre ce destin dans son armée, non, il n'y a pas qu'à arrêter. Et que ça la mort historique a déjà commencé et qu'il nous aide une base solide pour un nouveau Maurice. Nous avons envie dans ce film-là couvrir tout l'aspect de ce mouvement populaire qui mobilise un pays entier. Malheureusement, il n'est pas plus possible et que nous conscients. À travers ce film-là, nous avons envie de rendre hommage à sa plusieurs milliers de monde qui finit mettre en mouvement dans quatre coins Maurice et Gaillère et qui finit contribuer pour sauver Lagon et la mère Maurice.